Salut tout le monde, c'est Max sur Twitch, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve sur Hardcraft pour l'épisode numéro 28 et aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial Noël, même si c'est dans quelques jours, hein, voilà, c'est pas grave, on va s'attaquer en fait à un arbre de Noël, un sapin de Noël géant dans le spawn. Donc voici l'emplacement hein, de, je l'ai mis ici parce que là il y avait tout un emplacement de libre et ça prend pas mal de place quand même. Alors je vais le commencer, je vais montrer les patterns et après ça sera toujours pareil. Donc ça je ferai sûrement en timelapse, je sais pas, je pense, oui. Donc déjà on doit monter 20 blocs, donc là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et là, il faut le monter donc 6 fois. Je pense pas que je meurs là d'ici. Pouh, j'ai cassé la fleur. De toute façon, il y a le beacon à côté. Donc voilà. Donc ça, je monte. Voilà, je monte un petit à petit comme ça. Et hop, hop là, ça va se faire. Bon, après, on pourrait le faire sans se faire mal, hein, genre voilà, comme ça. Mais bon, c'est plus long, c'est assez chiant. Hop, oh, c'est bon, on est presque arrivé de toute façon. Ah. Ouais, j'étais presque juste en bois, je suis allé farmer les feuilles, pour pouvoir faire l'arbre, parce qu'après c'est un petit peu trop géant. Ouais, ben voilà, 6. Par contre là ça va être un peu risqué de tomber. Pouh. Ok, c'est pas grave. Ok, donc voilà la hauteur du tronc. Je sais pas si... Ah non, je me trompais. C'est pas 2, c'est 3. Fuck! Shit. C'est vrai. Il me manque du bois donc. Fuck! Bon bah, je vais en chercher, je reviens. Voilà, je suis revenu, j'ai finalement tout ce qu'il m'en faut. Hop, donc on va monter ces murs, enfin ces murs, ce tronc. Hop. Donc après, oui, je vous montrerai la forme de des feuilles en fait. Et après, on procédera au posage de guirlandes et tout, ça va être trop bien et tout, voilà. J'ai pas assez, mais what, j'ai calculé exprès. Mais c'est 22. Ah non, mais j'en ai 3. Bon, c'est pas grave, je le ferai plus tard, ça c'est... Fuck. Oh, oh là. Oh, le lag. C'est rip, fuck. J'ai cassé tout ce qu'il y avait autour. Bon, voilà. Alors, déjà, on va jeter ce qui ne nous intéresse pas et on va prendre des leaves de feuilles. Alors bah à partir du tronc on doit avoir je crois que je l'avais fait que sur un au début, donc là on a 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10. Non, le dixième c'est une feuille, donc tac, ok. Et donc ça sur chaque coin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, on fait plat donc. 1, 2, non, là, déjà il y a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je sais même pas du coup si j'aurai assez de feuilles. J'espère que oui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop. Nice. Alors, à partir d'ici, je vais... faudrait que du coup, j'ai plein de terre qui unité. J'étais peut-être pas obligé de le faire en croix comme ça, le chemin de terre. Ok, bon, pour l'instant, on va le laisser là, comme ça.
Hop, on monte. Donc à partir d'ici, on va en fait arrondir. Là, donc on fait ça. Je me souviens plus tout à fait comment c'est. Alors je vais faire des deux côtés pour que ça soit équivalent. Hop. Donc tac. Non. Fuck. Donc je vais pas utiliser l'enchant. Pour pas. What the fuck. Le lag ça me l'a donné, j'espère, je sais pas. Ah oui d'accord, ça me l'a donné mais à retardement. Et qu'est-ce que tu fais? Ah non, c'est pas. Donc tac. Je suis un peu perdu là avec les lags. Voilà. Ici donc on met un cran et là un. Voilà. Donc ça c'est bon, ça c'est le pattern de base. Alors il y aura juste cette ligne qui sera que de une seule de haut en fait. Parce qu'après ça va être deux de haut pour pouvoir atteindre là-haut plus facilement. Alors je vais vous montrer donc. Ici donc ouais. Là on commence avec ça. Hop. Et là. Bon là j'ai fait qu'un demi hein, mais enfin qu'un quart même. Mais voilà, je vous montre vite fait sur un petit endroit. Bah, je vais faire sur tout ça. Hop. Et donc après l'étage suivant, on met par dessus. Et vous l'avez compris, ici, on remet pas par-dessus, mais un petit peu sur le côté. Donc après, ça change un peu la forme, mais ça reste plutôt pas mal. Voilà comment ça va procéder. Alors, maintenant, je vais faire une coupure et donc faire le timelapse si je peux. Et donc, je vous retrouve à la fin quand on va poser les décorations. Voilà ce qu'on voulait voir. Et en plus à l'intérieur c'est très beau parce que le soleil rentre et nous explose les yeux. Ouais. Alors il y a de d'en dessous ça donne ça, mais je pense que à partir d'ici j'ai encore des feuilles. On peut fermer en fait pour faire croire qu'il est plein alors que non. Parce que si imaginez vous si on devait remplir tout ça. Ça on le fera sûrement plus tard, mais pour l'instant on va commencer les décos de Noël. Alors les décos de Noël, on va faire d'abord des guirlandes qui tournent autour de l'arbre. Donc il y en a une qui part d'ici. Alors j'espère que j'ai assez, je pense pas, mais c'est pas grave. Du coup, hop, on va la faire tourner. En plus il fait nuit bientôt. On fait pas tout le temps monter non plus. Mais on fait progressivement quoi. Hop. Par contre là on voit elle vraiment que dalle. Je vais aller dormir ouais. Hop là. Donc on va reprendre ces blocs avant de continuer. Hop. On n'a pas l'effet du beacon ici, mais bon c'est pas grave. Ah voilà, on va pas s'en plaindre. Donc tout l'arbre est fini.
il suffit juste de mettre les décorations. Les décorations que je pose un petit peu au pif. J'espère que ce sera ça. Et je n'aurai pas du tout assez de blocs, je pense. Hop. Oula. Non, fuck, je suis tombé. C'est chiant parce que là, je vais tourner tout le tour. Quand il y aura les guirlandes partout, on pourra plus facilement tourner. Hein, voilà. Mais là, non, c'est pas là qu'il faudrait les poser. Parce que là, ça fait un petit peu trop grand. Mais là, par-dessus. Ok. Arrivé ici, on va les reposer devant. Tac. Et ici, on va les placer jusque là. Non, pas jusque là. On va juste les amener là, voilà. Alors, du coup, on va faire aussi l'étoile. Tac. 3, 4. Donc là, il y a une torche au milieu pour l'éclairer, hein, quand même. Tac. Oups. Ouais, j'aurai plus beaucoup de jaune à la fin. Plus beaucoup de rouge, du coup, non plus. Du coup, 1, 2, 3. Il me semble que c'est ça. Non, j'ai fait un trop. Tac. Allez, mon temps. Ok. Donc la petite étoile. Tac. Oula. Paf et paf. Voilà l'étoile. Bon, je l'ai peut-être fait un cran trop haut, mais c'est pas grave, ça fait bien quand même. Bon, ça ressemble pas trop à une étoile, ça ressemble plutôt à je sais pas. Bon, c'est pas grave. Donc on va redescendre de l'arbre. Tac, 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 tac. Et on va recommencer, du coup, il m'a 6, mais c'est pas grave. Avec une banderole rouge. La banderole rouge qui part par contre de ce côté. Ici. Hop. Et donc qui monte aussi jusqu'en haut. On va devoir la faire monter. Et normalement, elle ne devrait pas rentrer en conflit avec la jaune. À part si j'ai fait une connerie et que ça va nous faire chier de tout réparer. Mais normalement ça va être bon. Tac. Par devant. Parce qu'en fait vu qu'elles sont décalées, bah les guirlandes ne devraient pas se toucher. Hop. Voilà. Bah, c'est quand même assez compliqué. Faut que ça soit toujours un petit peu à peu près pareil, quoi. Hop. Et là par contre ça se rejoint, donc c'était pas comme ça que je les avais faites la dernière fois, mais c'est pas grave. Du coup on va la faire monter là et exceptionnellement on va la faire arriver là. Voilà, hop, comme ça elle se finit ici, l'autre à côté. Ça, on va même la couper un petit peu avant. Voilà, comme pour finir avec elle. Maintenant, on va redescendre. Donc, j'ai d'autres couleurs ici pour mettre genre des petites boules de Noël. Hein, des boules. Ouais, c'est pas du tout non, très, très grave. Alors, là, vous voyez, c'est un petit peu vide et tout ça. Donc, en fait, on va lancer une guirlande depuis là. Je vais la non, je pourrais pas. Je vais la rapprocher de ce que j'avais fait. Oula, je vais tomber dès le début. Alors ce qu'on va faire avec la bande bleue, c'est qu'on va pas la faire monter beaucoup. Jusque là, à peu près. Vu que c'est un petit peu vide par là. Et qu'après il y a la rouge, donc voilà. Oh fuck. C'est pas grave, je peux remonter. Ici par contre, on va la faire monter. Ouais. Comme ceci. Putain, fuck, j'ai raté la bleue. Et elle va pas aller jusqu'en haut. Elle va juste remplir le coin qui n'est pas plein. Hop. Voilà. Jusque là. Et ici. Voilà. C'est déjà un peu plus
fourni. Alors, je vais m'éloigner, on va voir ce que ça donne. Si c'est bien. Hop là. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Vous voyez, il y a une grande partie du sapin qui est assez remplie. Et on va juste rajouter à quelques endroits des touches de couleur avec du vert et du rose aussi. J'ai de la dirt en plein milieu, voilà. Et du bleu et même de, du jaune, mais vu que du jaune j'en ai plus beaucoup, on va un petit peu éviter. Alors tac, on va en poser un petit peu au hasard. Quelquefois on va les reposer vers le bas. Hop, ici. Là. Ça, ça nous permet de faire des escaliers quelquefois. Fuck. Ici. Bon, j'en ai pas beaucoup. Faut que j'en garde un tout petit peu pour finir plus tard. Ok, ça va être bon. Rouge. On va le mettre ici. Là. Hop. Là, il y a déjà du rouge, donc on va pas en mettre plus à part ici. On va descendre et en rajouter quelque part là. Là. Ok. Et du vert déjà. On va le mettre en dessous ici. Et là, on a fait le tour. Hop. Du violet aussi ici. On va mettre. Non, là, il y a déjà du vert. Hop. On va le mettre là. Ça va être bien. Hop. J'aille un petit peu plus haut, sinon ils sont tous en bas en fait. Eh fuck. Bon bah là je pourrais pas remonter. Par là oui. Hop. Donc voilà, c'est un petit épisode tranquille, posé au calme juste avant. Putain, j'ai dit beaucoup de choses là. Avant Noël. Hein, c'est dans quelques jours. J'espère que vous allez avoir des beaux cadeaux. Hop. On va les mettre un petit peu plus haut du coup, voilà. Et ça suffira. Et on va encore reposer des bleus aussi. Juste pour finir, on n'aura pas besoin de mettre des jaunes comme ça. Là. On va le mettre ici en plein milieu. Il y a déjà du rouge. Ok. Voilà, ça devrait le faire. Et en fait, la touche que je ne pourrais pas faire dans l'épisode parce que je ne l'ai pas fermée, c'est la neige. Voilà, je vais m'éloigner, je vais aller dans la tour de Scarface. Est-ce que je peux rentrer par là? Oui. Magnifique. On va s'arrêter là, donc. Je poserai des petits coffres avec des bouts de laine couleur en dessous. Il n'y a pas beaucoup de déco là, par là, entre là, mais bon, c'est pas grave. De l'autre côté, on le verra plus. Hop. Je vais poser au pied du sapin des coffres et des laines. Parce que le jour de Noël, les coffres sont en mode cadeau de Noël. Donc c'est bien. L'étoile a fait un peu pitié. Je vais peut-être la refaire plus tard. Mais en tout cas, c'était sympa. Faut que je rajoute juste quelques lumières à quelques endroits. Mais voilà. Et donc, oui, je parlais de la neige qui est un élément indispensable de Noël. En fait, on va pas mettre tout le village en neige parce que ça serait une prank et ça serait chiant d'enlever. Mais je vais juste le mettre autour. Ah, il y a une araignée là-bas. Je vais juste le mettre autour du sapin comme s'il avait neigé que autour du sapin et sur le sapin aussi. Donc, sur tous les étages, tous les blocs, tac tac tac, jusqu'à l'étoile. Ce qui peut donner un effet sympa, j'ai déjà testé. Vous le verrez dans la miniature, j'ai déjà fait le screenshot. Et juste aux endroits où il y aura les lumières sur les guirlandes, autour il y aura pas de neige, mais ça fait la neige, elle est pas partout non plus sur un sapin. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit j'aime et un commentaire, ça me ferait plaisir. Et donc nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut. Ouais. YOLO. Même lui, ouais, ça va. Je suis en train de rager.